Je m'appelle Georges Macedo, donc j'ai 22 ans et actuellement je prépare mon CAPES d'espagnol, donc je suis en Master 2 à l'ESPE de Corse. J'ai eu l'occasion de faire Erasmus en 2012 à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis resté 6 mois. Ça fait donc partie de mon cursus de L3 et je suis resté le premier semestre et j'ai pu donc découvrir ce que pouvait représenter Erasmus. Donc c'était l'occasion pour moi de parfaire la langue, puisque mon objectif final était donc de passer le CAPES. Donc parfaire la langue et m'améliorer au niveau de l'espagnol était vraiment pour moi le premier objectif. Et dans un second temps, effectivement, de faire des rencontres, de rencontrer du monde, de voir autre chose que la Corse. Malgré que ce soit très belle et qu'on y soit très bien. Ces 6 mois-là ont été vraiment l'occasion parfaite pour moi de découvrir une région qui était la Galice, donc à travers sa culture, sa musique, sa gastronomie, mais aussi de découvrir l'Espagne, puisque grâce à l'aéroport de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est un aéroport assez grand, j'ai pu tous les week-ends, ou un week-end sur deux, ou en tout cas très fréquemment, visiter d'autres villes d'Espagne, Madrid, Barcelone, Séville, Grenade, le Pays Basque, le nord de l'Espagne. Donc ça a été vraiment pour moi l'occasion de découvrir le pays et de me parfaire au niveau culturel surtout. J'ai vraiment appris énormément de choses et dans mon cursus, ces 6 mois-là ont vraiment été très, très bénéfiques, on va dire. J'en garde que des très bons souvenirs. Je me suis fait beaucoup d'amis que je considère maintenant comme amis parce que dans ce genre de programme, tout est accéléré, si vous voulez. Comme vous restez tout le temps avec les mêmes personnes pendant beaucoup de temps, des liens d'amitié se tissent très très rapidement et des gens d'horizons très différents de la vôtre, parce que je mélange des amis qui sont mexicains, qui sont uruguayens, beaucoup d'amis d'Amérique latine. Je m'en suis fait des amis alors qu'on vient d'horizons totalement différents. J'ai appris énormément d'eux, de leur culture, et eux ont énormément appris de la mienne, de la culture européenne. Parce que eux aussi, avant tout, sont là pour découvrir ce qu'est l'Europe. Parce que pour eux, traverser la mer et arriver en Europe, que ce soit en Espagne, en France, c'est découvrir l'Europe. C'est pas, ils ne vont pas en Espagne, ils vont dans un pays. Ils vont dans un continent. Comme nous, on dirait, on va découvrir l'Amérique latine, eux disent, on va découvrir l'Europe, la culture européenne, le rapport à l'autre qui est totalement différent, le rapport à ce que peut être, par exemple, l'autorité, le rapport aux relations aux autres qui, en Amérique latine, sont souvent, quelquefois, comment on peut dire ça? Surtout les Mexicains sont des gens très, très calmes, très, très doux, on va dire. Donc pour eux, arriver en Europe et voir des disputes, c'est vraiment quelque chose de particulier auquel ils ne sont vraiment pas préparés. Donc c'est vraiment été très intéressant à ce point de vue-là. Et j'ai découvert des milliers de choses de leur culture. Donc j'ai découvert des choses sur la culture espagnole, j'ai découvert des choses sur la culture latino-américaine, Espagne, Uruguay, Argentine, Colombie. Donc ça a été vraiment pour moi l'occasion de parfaire mon cursus. Ça a été vraiment les 6 mois très très intéressants. Au-delà des cours qui en eux-mêmes étaient très intéressants, j'avais des cours de grammaire, j'avais des cours de phonologie, des cours qu'ici à la fac de Corte sont faits, mais là-bas on arrive à. Ils sont faits de manière différente, c'est-à-dire alors que. Donc on a une autre vision de l'université. Ici, on est en comité restreint, 4, 5 élèves, 6 élèves, 10 élèves au grand maximum. Là-bas, on est dans des amphithéâtres de 100, 150 personnes. Le rapport à l'étudiant est de suite totalement différent. Le professeur est là, il fait son cours magistral, on dit entre guillemets. Et effectivement, c'est très difficile au premier abord, surtout pour un étudiant qui vient de Corte, de s'y faire à ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'au début, on a un peu de. Déconcerté, on n'arrive pas trop à trouver sa place au milieu de cette masse. Mais au fil des mois et au fil des cours, on arrive totalement à s'imbriquer et on voit bien que c'est pas si différent que ça. Sauf que, ben, effectivement, il y a beaucoup plus de monde. Mais la chose en elle-même, c'est la même. On va dans le même sens, c'est-à-dire progresser,
apprendre des choses et à la fin pouvoir passer ses partiels. J'ai passé mes partiels là-bas, les partiels se sont très bien passés. Les profs sont plus ou moins conciliants avec les Erasmus. Certains profs ne vont pas du tout regarder à Erasmus ou pas, ils vont noter une copie. D'autres peut-être vont favoriser les Erasmus parce que. Mais dans tous les cas, c'est vraiment l'occasion de voir autre chose et un autre système éducatif, parce que le système éducatif espagnol est aussi différent. Donc, vraiment l'occasion de parfaire sa formation. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'utile pour n'importe quel étudiant, qu'il soit étudiant en langue, qu'il soit étudiant en droit, en éco. Si l'étudiant a une langue où il se débrouille à peu près, je pense qu'il est vraiment très important de partir et de voir et de découvrir un autre pays. Comme je suis d'origine portugaise, si vous voulez, j'avais déjà une appréhension de cette donnée-là, puisque je parle déjà, avant de parler espagnol, je parle déjà portugais et espagnol. Donc, les langues romanes, j'ai toujours côtoyé la connivence qu'il y a entre les deux, entre l'espagnol et le portugais. Donc, rajouter le portugais entre le portugais et le français, donc rajouter l'espagnol à ces deux langues-là n'a été que très bénéfique et ma relation aux langues romanes n'avait fait que s'améliorer, on va dire. En plus, ça ne peut être qu'un atout. Les 6 mois que vous pouvez passer dans un pays comme ça, moi en l'occurrence 6 mois, mais que ce soit 6 mois ou que ce soit 10 mois, ne peuvent vous faire que progresser. Vous êtes en contact avec des gens qui parlent espagnol toute la journée, avec des gens qui le parlent très bien. Donc vous êtes obligé de progresser et d'avoir des expressions idiomatiques. Vous arrivez à un stade où vous parlez comme vous entendez. Donc vous apprenez. C'est-à-dire que si vous restez avec des Mexicains, vous allez apprendre le castillan du Mexique. Si vous restez avec des Uruguayens ou des Argentins, vous allez apprendre le castillan de ces régions-là. Et si vous restez avec des Espagnols, vous aurez un autre castillan. Donc vous progressez et vous voyez différents mots qui ont la même signification, mais selon la culture et selon l'endroit du monde où l'on vient, est différent. Des mots différents pour la même chose. Vous pouvez aussi bien, dialectal, et surtout au niveau de la compréhension, si vous voulez. Parce que comme les accents ne sont pas les mêmes, plus vous restez en contact de ces gens-là, je prends l'exemple de l'Uruguay, Paraguay, Argentine, qui ont un accent très particulier, puisque ça se prononce pas. Il y a beaucoup de che, c'est très chantant et c'est beaucoup en che, en yéisme, qu'on appelle un yéisme. Ce genre de prononciation, quand vous arrivez, comme moi j'arrivais de Corse, au début vous n'arrivez pas. Vous avez de grandes difficultés pour comprendre ce qu'ils disent. Vous avez vraiment beaucoup de difficultés et ça ne vient qu'en restant avec eux et qu'en s'adaptant à leur prononciation. Et ça, c'est vraiment un plus. C'est-à-dire que si vous regardez un film argentin, moi j'aurais regardé un film argentin avant de partir, j'aurais compris la moitié. Quand je suis revenu, j'étais capable de comprendre un film argentin, un film mexicain. Vraiment, on apprend vraiment beaucoup au niveau de la compréhension et au niveau dialectal aussi. C'est-à-dire qu'on s'ouvre plusieurs portes en fait. En étant en Espagne et en rencontrant des Espagnols, mais aussi bien des Latino-Américains, on s'ouvre plusieurs portes au niveau dialectal et on apprend énormément de choses. Et ça me sert dans ma vie de tous les jours professionnelle, puisque comme je prépare le CAPES, je peux avoir des œuvres aussi bien latino-américaines qu'espagnoles. Et donc, comprendre aussi bien les mots qu'on peut trouver sur le continent hispano-américain ou les mots typiques qu'on peut trouver en Espagne, ça m'aide énormément pour mon parcours professionnel. Alors bonjour, bon dia a todos. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon rapport à la langue portugaise. Moi, je suis fils d'immigrés, je suis arrivé ici il y a 22 ans, j'ai 22 ans. J'avais 6 mois, donc j'ai eu à apprendre le portugais et le français en même temps, on va dire comme ça. J'ai un rapport assez particulier avec la langue portugaise, puisque bien qu'étant ma langue maternelle, on va dire, ce n'est pas celle que je maîtrise le mieux, puisque j'ai fait toutes mes études en français et en France. Donc le portugais est un peu la langue de la maison, on va dire, celle que je parle avec mes parents, avec mes frères et sœurs, et bien évidemment quand je rentre en Portugal avec toute ma famille. Donc c'est une langue
très très belle, très 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 difficile à apprendre. Moi, je m'en rends peut-être pas compte puisque c'est ma langue maternelle, donc je l'ai entendue depuis toujours. Mais elle a la réputation d'être une langue assez difficile à apprendre et de ce point de vue-là, pour moi, c'est vraiment une chance de la connaître sans vraiment m'en rendre compte et sans vraiment avoir fait d'études. J'ai un rapport assez particulier puisque, bon, effectivement, j'ai pas fait d'études de portugais, donc je la parle, on va dire, assez couramment. Mais effectivement, j'ai des difficultés à l'écrit, notamment dû au fait que je n'ai jamais fait d'études, donc je l'écris comme je la parle, mais certaines fois, c'est pas ça. Alors que d'autres langues comme l'espagnol ou le français, je n'ai quasiment aucun problème au niveau de l'orthographe, voire aucun. Alors que là, le portugais, comme c'est une langue que j'ai appris, on va dire un peu sur le tas et un petit peu avec ma famille, et on va dire que j'ai des petites difficultés au niveau de l'orthographe. C'est une langue que j'ai eu l'occasion de pratiquer, que je pratique, pas tous les jours, puisque bon, je ne vis pas, je vis avec ma famille, mais pas tout à fait, puisque je suis à Corté. Donc, mais quand je suis à Sartène, c'est une langue que je pratique tous les jours, avec, on va dire, au niveau du langage, certaines anecdotes que je peux vous raconter, puisqu'il y a effectivement des jours où il y a des dialogues entre moi, ma mère et mon frère, où il y a des bouts de phrases en portugais, des bouts de phrases en français, et il y a un petit peu tout qui se mélange, et c'est vrai, et même tout, même du corse, effectivement, des fois, il y a un peu de tout, du corse, du français. Il n'y a pas l'espagnol, puisque personne ne parlait pas espagnol chez moi, mais je pense qu'il y aurait vraiment, il y aurait aussi l'espagnol si on venait si quelqu'un dans la famille venait à l'apprendre. Il y a un petit peu de tout, c'est-à-dire qu'on peut commencer la phrase aussi bien en français ou en portugais, la terminer dans l'autre langue, c'est-à-dire que c'est vraiment. Moi, j'ai dans ma famille, j'ai un petit frère de 14 ans qui, lui, effectivement, a encore plus de problèmes avec moi, avec le portugais, puisque lui ne le parle quasiment pas, il le comprend. Lui, il est né ici, donc il y a peut-être ce petit problème-là. Lui est né ici, donc lui le comprend très très bien. Mais par exemple, quand ma mère lui parle portugais, lui répond en français. Le portugais ne lui vient pas. Alors que moi, ça peut être tout aussi bien le français ou le portugais. Et des fois, il y a des choses qui arrivent assez incroyables. C'est qu'il y a des mots, sur le moment, je ne les connais pas en français, alors que je les connais. Et je vais le dire en portugais. Et inversement, il y a des fois où le mot en français, il ne me vient pas, ou en portugais, et je vais dire l'autre mot. Ce qui fait qu'il donne, ce qui fait que des fois, il y a des phrases assez marrantes et assez ahurissantes qui ne veulent quasiment rien dire et qui ne veulent dire quelque chose que dans ce contexte-là, avec ces gens-là. Sorti du contexte, ça veut rien dire, et c'est ça qui est assez marrant avec mon rapport à la langue portugaise. J'ai pris deux poèmes dans ce recueil, deux poèmes corses qui ont été traduits en portugais. Donc j'en ai pris un, le premier c'est de Fusina Jacques, qui s'appelle Viadi en corse. Donc je vais vous le lire en premier en portugais, et après dans un deuxième temps en corse. Viagens. Afinal, o que procuras nas tuas viagens? Questão banal, mas difícil. É talvez mais dura de roer do que vogar os reis do Nilo, ou palmilhar a grande muralha. Estás a ver que nada é mais belo do que o rio que corre para a minha aldeia. Bem melhor do que castelos ou paisagens de reconhecida beleza. E não sabia sequer responder. Nesse, e se calhar Bacóvio, que o poema aqui dito diz a viagem e o regresso. J'ai décidé de prendre ce poème parce qu'il parle de quelque chose qui me parle à moi, c'est les voyages. Moi, je suis un grand passionné de voyage, j'adore voyager. Si je pouvais, je voyagerais tout le temps, tous les jours, tout le temps. Effectivement, il faut faire des études, donc je l'ai fait par le passé, j'ai voyagé énormément quand j'ai fait mon Erasmus. Et c'est vraiment quelque chose, je pense, de très important que tout le monde doit faire, c'est voyager, connaître d'autres mondes, aller. Connaître l'Europe, connaître d'autres civilisations, connaître d'autres cultures. Et c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci, puisqu'il me parle. Donc je vais maintenant essayer de vous le lire en corse avec mon niveau un peu moins bon que celui en portugais, mais bon, vu que j'habite ici depuis toujours, je sais lire le corse quand même. Viaggi. Ma chi cercherai in dei tuoi viaggi? Domanda comune ma difficile. E forse anche più di Urali, chi divulga vi di un Nilo. O pidi già grande muraglia,
ive di parte, qui non de valle, un suo paese li re chiamato, meglio pur che castelli o paesaggi d'un giuloco belli. Ed un zapea manco risponde, di scendi forse un cubeulo, che il poema cosiddetto dice il viaggio e il ritorno. J'ai choisi un autre poème de M. Jacques Moutière, ici par rapport à mes études qui sont en espagnol. Moi, je fais des études espagnoles pour être professeur d'espagnol. Donc, quand j'ai vu un poème sur Palma de Mallorca, je me suis arrêté de suite. Donc, c'est un poème de Jacques Moutière dont on a un morceau de vie. Un morceau de vie de M. Jacques Moutière, donc, où il découvre Palma et où il découvre El Paseo de Mallorca. Donc je vais vous commencer à le lire en portugais. Toma un aperitivo no Paseo de Mallorca. Por pouco acreditei ter colhido toda a doçura dos dias eternos estendidos sobre as ilhas capazes de ocidentes e até de orientes, e esperamos que durem enquanto fazemos de conta que não o vimos. Perto de nós, tão perto, colados às nossas indiferenças todos aqueles que passam e já não são. Palma. Piglio l'aperitivo, passei de Maiocchi, quasi quasi mi pare di avete colta, a dolcezza tutti di giorni eterni, di stesse nante isole capaci di occidenti o d'orienti di noi. E quelle sturgi, fendunigi, di un zente vicino o vicino, alerti delle nostre indifferenze, tutti questi che passano, non so più. Donc, voilà, c'était simplement pour vous parler de mon expérience et de mon rapport avec la langue portugaise. J'ai pensé que lire ces deux poèmes-là et de vous montrer qu'effectivement, il y avait et il y a une relation entre toutes les langues romanes, on va dire, le portugais, le corse, l'espagnol, le français, l'italien. Moi, j'ai eu l'opportunité d'en parler un certain nombre. J'en maîtrise certaines plus que d'autres. Puisque effectivement, je suis d'origine portugaise, je fais des études espagnoles et je vis en France, donc ces trois-là, je les maîtrise plutôt bien. Et effectivement, le corse aussi m'apporte beaucoup. Et je pense qu'il faut être fier de sa langue maternelle, il faut vraiment être fier. Il faut lutter pour elle, il faut au maximum être fier de ses racines, être fier de sa culture, mais ne pas se fermer et prendre les autres cultures et emmagasiner des connaissances et des connaissances sur les autres cultures pour faire qu'on soit un citoyen du monde